Là, c'est le tablier à la parisienne. On va sur votre droite. Un bon boucher, c'est savoir renseigner la clientèle au mieux possible. C'est quelqu'un qui sait bien travailler la viande. C'est la première fois qu'on organise un concours sur un métier de bouche. Et nous avons pris le métier de la boucherie parce que c'est peut-être, pour commencer, le métier qui reflète le plus la qualité d'un hypermarché Leclerc. Ça coupe, hein. Il n'y a pas un gagnant, un perdant, mais on est déjà tous gagnants. Messieurs, il est 8h05. L'épreuve va se terminer dans 3h30 à 11h30. Ils seront tous bons, mais forcément ce soir c'est un concours, il y en aura mais meilleurs que les autres. Je vous laisse donc l'exercice de calcul de rendement. C'est parti. Vous faites de l'agneau? Agneau. Local? Oui, moi je suis 100% en laisse. Quel conseil vous pouvez me donner de cuisson? Cuisson basse de 100 degrés à peu près. Médaille d'or, meilleur boucher Leclerc de France. Kevin Turbe de Rochefort. Donc j'ai gagné, mais ça fait. Enfin, je suis content aussi pour les autres et tout ça. Et puis on a passé une bonne journée. Voilà. C'est bien, la relève elle est là. Je suis présent au concours du meilleur boucher Leclerc parce que je veux témoigner de la reconnaissance. On est l'enseigne préférée des Français, mais Leclerc c'est pas qu'une marque, ce sont des hommes. Et les bouchers contribuent énormément à la réussite exceptionnelle de Leclerc en France.